dans ses propos, voilà, avec beaucoup de tranquillité. Il maîtrise son effectif. Ça fait plaisir à entendre. Ballon chippé par Agnadou, il va fixer Agnadou dans la surface de réparation, il peut frapper. C'est bien contré, mais Koné Abdoulaye est derrière. Ah, quel dommage pour Agnadou. Someone's knocking at the door. Someone's knocking at the door. Can you hear him knocking? Can you hear him knocking? He's been knocking very long. He's been knocking for so long. Can you hear him knocking? Can you hear him knocking? Jesus, Jesus, Jesus. He's at the door. He's at the door. Someone's calling out your name. Calling time and time again. Can you hear him calling? Can you hear him calling? Calling very long. He's been calling for so long. Can you hear him calling? He's been calling you. It's Jesus, Jesus, Jesus. He's at the door. But don't take a chance. All you need to do is open the door. Let him take his rightful place so he can change your world. Open up the door. Jesus Christ is waiting.
Someone's knocking at the door. Et Kwanda qui revient de regardez l'action. Oui. Regardez l'action. Vous voyez l'appel de Guédé. Il n'est pas suivi. Il est tout seul. Regardez voilà. Comme ils l'ont lâché. Parce que justement, c'est comment il s'appelle Patrick Malo. Qui boite, tu ne pouvais pas. Voilà, il ne pouvait pas suivre Guédé. Et là, ça a encore occasionné une opportunité pour la FAD. Regardez. Voilà. Il part tout seul. Vous le reverrez. Tout seul, regardez, il n'y a personne à côté de lui. Si c'est bien fermé, personne à côté. Regardez le temps qu'ils prennent pour revenir. Incroyable. Effectivement, un Kwanda qui va faire ça. Alors que vous avez perdu le match, c'est aujourd'hui une revanche à prendre pour l'équipe de la SEC. Bien évidemment, j'ai une revanche. Parce que pour un grand club comme la SEC, c'est pas normal de se faire battre deux fois. Donc c'est une revanche pour nous et on va la saisir cette revanche-là. Merci. On va saisir leur, l'occasion de se venger. Le corner est élevé. Attention, égalisation. Oh, ils ont été passifs et qui marque. Guédé, Niadou, Joseph. Il a désormais 9 buts dans ce championnat de Côte d'Ivoire. Ah oui, il est juste derrière Kone Zoumana. Ah, c'est la riposte. C'est la riposte de Guédé. Guédé, Niadou. Voilà, Simba qui marque, Guédé qui réagit. Regarde le centre, il est parfait, hein, cette déviation. Et là, les joueurs ont joué arrêté, ils ont assisté. On voit Guédé qui a surgi, il est tout seul, regardez. C'est vraiment le désert hein, du côté de la défense Mimo. C'est là l'inquiétude hein, du côté de la SEC. On l'a dit depuis l'année dernière. La SEC Africa, très 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 bientôt. Le ballon est levé dans les airs. Attention. Le ballon est remisé, voilà. Voilà, 3 buts à 2. 3 encore buts Guédé. À 2. Et qui Guédé. Guédé Niadou qui a désormais 10 buts. Voilà, doublé. Voilà, doublé de Guédé Niadou Joseph, 86e minute. La SEC se relâche un peu trop. Désormais 10 buts comme Kone Zoumana. C'est trop léger. J'ai tous les ballons arrêtés. Regardez. Cette équipe a été en difficulté. Sortie hasardeuse hein, du gardien. Pas mauvaise réaction des défenseurs. Guédé, il est tout seul au deuxième poteau. On l'a remarqué depuis tout le match. Cette légèreté défensive, elle se confirme encore. Une équipe comme la SEC ne doit pas concéder ce genre. Premier signalement, premier avertissement pour la défense de la FAD. Regardez l'appel de Guédé tout de suite dans sa course. Voilà, c'est parfait. Ah, ça c'est bon. Bien joué de la part de Guédé. Bon. Peut-être l'ouverture faut du score s'appliquer. Ici au stade Robert-Champroux. Sacré Roland Guédé pour l'ouverture du score. Et ça y est. Superbe action. Et c'est l'ouverture du score ici au stade Robert-Champroux de Marcory. But inscrit par Guédé sur cette action. Ils sont venus de loin, ces garçons de la FAD. Ils ont souffert certainement, beaucoup acculés par la défense et par l'attaque plutôt du FC San Pedro. C'était bien joué, Eric. Ouais, et très, 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 très bonne conclusion. Ouais, superbement joué par Guédé. C'est exactement Guédé. Le résumé de tout ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne faut pas se fatiguer. Tout de suite, quand on a le ballon, cherchez Guédé, cherchez Avo. Et voilà, la connexion est faite. Guédé, tu ne réussis pas son contrôle, mais il a toujours le ballon. Et là, il donne à Sacré. Sacré, tu n'ouvres pas suffisamment son ballon. Guédé, il a suivi comme un buteur. Il met le ballon au fond, ça fait 1-0, c'est vraiment mérité. Hein. On voit Guédé, il fait une super passe, mais il suit, il regarde, il est vigilant, il est à la réception. Il met le ballon au fond, ça fait 1-0 pour la FAD, c'est vraiment mérité. Ah, cette paire-là, on l'a dit, elle fait mal à San Pedro. Avo à la réception pour Guédé. Guédé, tu suis son ballon comme un buteur, il est à la réception. Il met le ballon au fond, 1-0 pour la FAD. C'est Joseph Guédé qui va se retourner et servir Osé Mouna. Le centre de Osé et le bon placement de Ali Diakité. Osé qui va continuer de se battre et obtenir ce ballon. Osé, il sait Doumouya. Le centre de Doumouya. Attention à ce ballon qui va finir sa course au fond des filets de Aboubakar Konaté. Vous avez parlé, vous avez réclamé Joseph Guédé au niveau du point de pénalty. Il s'est positionné à cet endroit et il réussit à inscrire pour l'instant l'unique but de ce match 1-0 en faveur de la FAD. Eh oui, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Quand on a la poisse avec soi, on a la poisse jusqu'au bout. Voilà une équipe de Mossou qui s'est donnée. Et comme contre toute entente, ils se font prendre par ce but-là. Malheureusement, ce gardien, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Il est sorti peut-être trop avec trop d'aisance. Il s'est cru tout seul. Et là, comme je le disais, Guédé, là où on doit le voir, où on a besoin de lui, il était là. Et c'est lui qui met la tête. Au lieu d'être sur le côté à vouloir dribbler, à vouloir faire la dernière passe, il n'a qu'à être présent.